Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue, chers amis, dans Galactic Care, un jeu où on soigne des aliens. Enfin, on soigne de tout dans toute la galaxie. Bah, comme son nom l'indique, hein, c'est Galaxy et c'est Care, comme bah, le Hill Care aux États-Unis. Tout ça, que dire ? Oh, comment il s'appelle ? C'est Hospital Tycoon ? Je crois que c'est ce jeu qui est vraiment génial. Et bah là, c'est dans la galaxie. Et je trouve les détails et le jeu super beau. Il vient d'arriver il y a quelques heures. À peine. On recommence l'histoire. J'ai juste vite fait lancé. J'étais à chapitre 1. Il parle beaucoup, mais je crois que c'est quand même faisable le tuto. Il y a une très jolie voix anglaise. Et puis on se fait appeler par une dame. Petit souci, il a fallu que je relance. Mais je me suis pas spoilé de quoi que ce soit. Globalement, j'ai fait 10 minutes, pas plus. Allez, c'est parti. Donc on est dans un futur très très lointain avec des extraterrestres. Bien sûr, les extraterrestres. Allez, c'est parti. Donc apparemment, ça parle quand même pas mal. Je me suis dit, est-ce que je supprime le tuto ou pas? Je crois quand même que ça passe. I'm Heal, the AP assigned to all of Galactica's extrasolar operations. Extrasolar opérations. Assistant, for it is my duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies. Bon, alors c'est très bien, mais ça parle beaucoup, oui, c'est ça. Medics on standby, Director. Before then, Ms. Orion wishes to fire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment now. Ok, bon. Apparemment, c'est la dame qui m'appelle. Il m'appelle souvent, et apparemment c'est PDG Galacticaire. Galacticaire. It's time to bring this dream of ours to life. I can't wait to see this hospital up and running. Oui, madame. Allons-y. I'm not one for all this nitty-gritty management. Thank you, ma'am. Merci madame. Je l'ai écouté, hein, je l'ai écouté passionnément. Oui. Ah oui, d'accord, tu veux que je fasse le truc. Oui. Alors, vous voyez, c'est un hôpital qui est fait en plusieurs morceaux. C'est un vaisseau spatial, et puis bon, bah, ça sera à libérer par plus tard. J'adore le design. Oui. Pour effectuer les soins médicaux, nous avons besoin d'un bureau d'accueil. Commençons par placer le bureau d'accueil afin de pouvoir accueillir les patients. Ah bien sûr. Je prends tout de suite le grand. Et on va le mettre devant. Hop là. Et il y a deux robots, j'adore. Ok, et puis la dame qui nous rappelle encore, bien sûr. Ok, salle de diagnostic, continuons. It's where we evaluate what's gone wrong with their meaty bodies. Also, tiny spinny petit drone qui en sortant de ce qui est vachement cool. D'accord. Let's get that diagnosis room up and running. If you're ever unsure what to do, ok, donc comme dans d'autres jeux avec des gestions d'hôpital, il y a des rooms directement à mettre en place, des salles de diagnostic. Donc on peut faire ça comme ça. Un petit room. Est-ce que on va laisser le mur ici et on va mettre le bureau là dedans. Alors, parce qu'il y a encore d'autres trucs à mettre en place, de la déco. Oh, ça parle beaucoup. Bon, en même temps, c'est une voix anglaise qui est très très sympathique, qui est très jolie. Mais voilà, j'ai cru comprendre quand même que la déco était très importante dans ce jeu. Tu vois, il y a des petits tapis, il y a des petits machins comme ça. On peut les rotate. Oh, je voulais un ovale. C'est mieux l'ovale, regarde. Par contre, il n'est pas complètement centré. Et je crois que je peux l'enlever pour le remettre. Oh, il ne sera pas centré du tout. Oh, ni là, ni là. Oh, quel enfer. Quel enfer. Ça me fait du mal. Voilà. Je découvre donc de la déco. Il faut aussi mettre de la déco. Construction. Parce que ça, c'est là. Non. Tu n'annules pas.
Écoute, on fait ça comme ça. Roy, salle de diagnostic est prêt. Maintenant, nous avons besoin d'une salle de traitement. Cora. Contactez bientôt. Cora nous contactera bientôt, bien sûr, Cora. Bonjour, Cora. Il nous faut une salle de traitement. C'est globalement accueillir les patients pendant son traitement dermatologique. Il est possible qu'il faille légèrement pousser les patients avec un long bâton. Ça peut gratter. Ok. Donc, ça serait la salle pour le pour les traitements. Alors, il y a plusieurs appareillages. Ça, c'est marrant, il y a plusieurs appareillages à prévoir. Pareil, petite déco si possible. J'adore le design, vraiment, il faut qu'on s'attarde sur le design, parce que je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. On peut mettre un petit chariot, là, histoire de... Regardez, ils ont toujours ça dans les hôpitaux, ici. Dangereux... Ah, on peut mettre des lumières, par contre. Bah, je sais pas, hein, pourquoi pas, hein. Why not ? On a du pognon, pour l'instant. On a 70 000 boules. Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'ai gagné en... avec le jeu. C'est un genre de panneau publicitaire, si je comprends bien, c'est ça ? Hologramme Med. Mehdi, pardon, c'est Mehdi. Mehdi danse. Eh ben, Mehdi danse. On va s'en servir pour que les clients, les patients, bien sûr, les patients, puissent être heureux. Je peux pas le placer. Je peux le placer à l'intérieur ? Ah oui, je peux le placer à l'intérieur. Ça me coûte des sous, beaucoup d'argent, 500 balles. 500 balles. Et puis encore des images. Quelques plantes. Je mets une plante ici. Ici la plante. Et puis ça, bah en fait, ça c'est des curiosités. Je pense qu'il faut les mettre à l'extérieur. Hein. On va confirmer pour l'instant. Ok. Je suis sûr que d'autres sont à venir. Donc l'instruction, assurance, soit... Ils ont besoin de docteurs. Ouvrir le menu. On a un menu ici. Recruter des docteurs. Alors, ils ont tous les mêmes niveaux pour l'instant. Ils ont des petites spécificités, par exemple, tu vois. Recherche supplémentaire générée. Elle, je pense qu'il faut la mettre là-dedans. Ok. Choose a candidate. Alors, c'est bien de faire un médecin. J'aime bien le fait qu'il y ait des extraterrestres. On pourrait faire un médecin extraterrestre, un médecin humain. Alors, attends, lui, apparemment, c'est influence supplémentaire générée. Ouais, alors lui, apparemment, réduit les besoins d'aller aux toilettes. Réduit l'alimentation. Réduit les dommages infligés aux patients. Apparemment, ils peuvent faire des dommages aux patients. Bon, écoute, on va faire ça. Et on va l'affecter à sa chambre. Alright. Which will surely excel. Speaking of which, your legally mandated commendation, known in human society as connu sous le nom de patient. Alors, on a des récompenses, on a du pognon, on a ce truc-là, je sais pas trop à quoi ça sert. Influence humaine, parce qu'on est en large de la Terre apparemment. On devrait pouvoir se déplacer dans d'autres parties de l'univers. Ça, j'adore le spatioport, là. Regarde comme il est beau. Oh, il est recherché, lui. Oh, mais il est trop beau. Arrivé. Permet aux patients d'entrer et de sortir. Et puis ça, c'est apparemment ouvrir l'hôpital. Et il suffit de cliquer dessus. Souhaitez-vous ouvrir l'hôpital? Oui, ouvrons l'hôpital. Alors, par contre, je voulais faire un truc. C'est-à-dire... Attends, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un distributeur. Distributeur de boissons. Ça parle beaucoup. Boissons arrivent directement. Commençons. Hein. Oui, madame. Et puis, évidemment, quand c'est pas lui qui parle... Ah, c'est étrange, bien qu'ils soient tous des clones. Ah bon ? Fascinant. Oui, c'est passionnant. Donc, augmenter la recherche, générer les maladies. Alors, distributeur de boissons. Remettre ça dans le coin. Parce que je pense que, comme d'autres, 700 balles, il faut pouvoir les faire manger.
il y a les toilettes et il y a ça, c'est super important. Et poubelle, toilette ? Comment ça ? Module de toilette. Poubelle et toilette. Ok, d'accord. Poubelle et toilette. Est-ce qu'on met ça là ? Ce qu'il y a bien, c'est que ça se construit immédiatement. Ok. Donc du coup, ah, premier patient, prise en charge, merci. Et ensuite, il y a des sièges. Il faut pouvoir les faire s'asseoir. Human Species Director ? D'accord, on peut voir de quoi il souffre. Ah oui, d'accord. Oh, pff, la vache. Ah oui, ça pique un petit peu. Ouh. Régolite. Ah, ça pique un peu. Mais il met, du coup, est-ce que madame, vous allez tout de suite à côté? Oui, elle va tout de suite à côté. Vous voir? Il faut qu'on voie un petit peu le pourquoi du coup. Par contre, apparemment, décoration type ordinaire, ça lui plaît pas. Allez, dans le caisson, pousse avec un bâton. Et elle n'est pas contente non plus, capacité de salle de pause. Salle de pause, ils veulent. Est-ce qu'on peut les voir? Oh la vache, la gueule du truc. Est-ce qu'il va réussir à la soigner? Elle, il, c'est un... Oui, bien sûr, ça appelle encore à nouveau. Ah, les humains, on aime bien les humains. Ouais, ouais, lave ça à grand eau, là. Wow, il est soigné. Also, they've accidentally engineered a dystopia where corporations have become kingdoms. So that's great. Sorry, that's a conversation for another time, I guess. Oh, you guess. Okay. We received a patient with a shattered arm. Let's inspect them and see if we can't mend their appendage. Je me demande, hey, comment elles marchent ces toilettes là? Est-ce qu'il faut quelqu'un aussi pour que ça se lave? Ok, alors là il y a un patient qui brille. The patient panel. I've highlighted the condition track. D'accord, donc lui il a un bras cassé. Oh regarde, il débarque en taxi à plusieurs. Waouh, et puis lui il est sur un autre plan d'existence. J'adore ça. Invasion cosmique. Génial. Bon, il faut pouvoir les faire s'asseoir, je pense. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu des trucs comme ça, des sièges. Et des sièges avec des flowers. Est-ce que on... Oh, j'en sais rien. Est-ce qu'on met genre ça là et puis ça là? Our employer is calling you about the burning chamber, director. Nothing to fear. Une chambre à brûler quoi? Attends, what? Ah bah elle va m'appeler bien sûr. The burning chamber. La burning chamber, d'accord. Pour les os. Fresh minty new skeletons directly into our patients. An assistant engineer fitted the schematic with internal cameras. D'accord. Personal reasons. That'll teach me to poke alors, stuff from Salazar. Des plantes, anyway, encore des plantes. Si je mettais des plantes au milieu là, tu crois que ça passe? Ah ouais, ça passe. The burning chamber. A fine room indeed. I do rather admire the machine in there. Bon, alors il y en a un, il, apparemment ils ont des os cassés. On va tâcher de chambre de l'ossification. Alors, j'aimerais éviter de remplir trop cette zone-là, mais quand même. Et puis on peut faire la porte alors gauche ou droite, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Bah, c'est pareil, je pense. Oh, c'est pareil. Ouh, la vache. Ah ouais, la taille du bestiau. Est-ce qu'il rentre là-dedans? Il rentre pas là-dedans. Oui. Non, c'est pas génial. C'est pas génial. Est-ce qu'on peut tout annuler? Est-ce qu'on peut tout annuler? Fais voir. Non, parce que vu la taille du machin... On peut faire la porte ici... Et on peut le faire, genre, ici. Ça rentre, là? Ça rentre! Ok, ça rentre. Un petit peu de déco, quand même. Thématique, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Room theme. Thème, pardon, thème. Donc ça, c'est avec le thème de la fameuse chambre. Alors, oui, bon, bah du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de place à côté. Ça, c'est des lumières, c'est quoi exactement? D'accord, ça c'est des autocollants au sol. Comment ça au sol? Ah, c'est pour faire une ligne, d'accord. Ça c'est des éclairages. Je pourrais en mettre un peu ailleurs aussi. Je pense. Ah oui, des cloisons, d'accord. Et là il y a de la publicité.
C'est de la pub, autre. Oui, c'est de la pub. En fait, je voulais mettre ça à l'extérieur. Pas du tout, parce que là, je suis à l'intérieur de la chambre, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a plein de trucs à unlocker. J'aime bien les petites peintures comme ça. J'aime bien les petites peintures. Un tapis, tu veux un tapis? En mettant un tapis, il y a juste en face, là. Parfait. Et puis des petits tableaux. Des petits tableaux, là. Allez. Ici. Bon. Ok, ok. Petite plante. Une petite plante. Allez, une petite plante murale. Est-ce que moi, j'aime bien les petites plantes murales comme ça? Alright, alright. Écoute, super, ça va aller. Je pense qu'il nous faut un médecin aussi. Spécialiste. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Expérience supplémentaire générée. 1000 balles. Oui, bah je t'ai pas attendu, merci. Donc le médecin... Salle de pause, salle de pause. Waouh, il l'a bouffé, j'adore. C'est ça que j'adore. If their mood gets too low, they may simply leave. You can see the various thoughts and feelings impacting their mood here. Ouais, je vois qu'ils sont pas contents. Décoration de type crucial. Parce qu'apparemment, il y a des décorations directement dans le... Je crois que c'est ça. Tu vois, dans la salle des eaux, il faut que le poster il soit en fonction du truc. Et donc, toi, tu n'es pas heureux non plus. Il n'est pas heureux non plus. Ah d'accord, donc il a des... Il a des pustules sur lui. Ok. Il a des pustules sur lui. Et puis là, pareil, soigne le monsieur. Bon, c'est ça qui est cool. Voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Que veux-tu ? Répondre à l'appel, bien sûr. Répondre à l'appel de la dame. Pareil, salle de pause. Salle de pause, table à lave. Fauteuil et canapé confortable, bien sûr. Comme dans les autres. Pour l'instant, c'est vraiment classique au jeu d'hôpitaux. 1 et 2, que je ne mentionnerai pas. Salle de pause, salle de pause. Quand est-ce que je peux... D'accord, bah ils veulent des toilettes. Ok. Quelques canapés, quelques fauteuils. Non, les fauteuils, on peut en mettre 3. On peut pas en mettre 3. Bon, bah on va les espacer. Et puis on va mettre quelque chose entre. Pareil, alors. De la déco. Plus de déco. Il n'y a pas une déco un peu plus chaleureuse. Peut-être à débloquer, hein. Tenez, vous avez un petit robot qui danse. Attendez, mais je... D'accord. Voilà, petit robot qui danse. Vous n'avez pas une télé ou quelque chose? Cloison, on va éviter les cloisons quand même. Un tapis, tu veux un tapis? Un beau tapis. Oh, celui-là, il est rond. Oh, je peux pas le mettre juste en dessous. Quel enfer. Ok, un petit tapis tout rond. Et puis, un petit peu de flower. Ça va vous faire du bien, ça, un peu, ce flower. Regarde, on met ça de côté. Elles sont très jolies. J'adore l'aspect extraterrestre. Franchement, il y a une recherche dans le design du jeu qui est vraiment fantastique. Ah, regarde ce truc-là, salle de pause. Enlève-toi. C'est des coraux? Je crois que c'est des coraux. Biscuit, d'accord. Biscuit, ça veut dire que c'est une espèce de sculpture à la mort moineux. Oh, bah, il n'a pas été mis en place. Bah alors. Et confirmons. Ça, vous êtes content, moi 6000 balles quand même, hein. 6000 balles. Pour ça, ils vont pouvoir faire une pause. Donc toi, tu as le cœur brisé, qu'est-ce qui se passe? Décoration, putain, on a encore la décoration. Il a le bras cassé, mais c'est en face. Donc d'abord, diagnostic, et après, il les redirige vers le... Ouah, la vache, t'as pas envie d'être avalé par ce truc. D'accord, et puis il forme un os, oh la vache. Il forme un os, et puis après, il lui envoie dans la gueule. Tiens, va, t'as... T'es content, t'as ton os. Placez une poubelle, les poubelles. Les poubelles. Où c'est que j'avais vu ça maintenant? La déco, non. La déco, c'est là. La poubelle, j'avais vu ça quelque part. Ici. Mais bien sûr, ici est poubelle.
Juste à côté du... On peut mettre ça, là. The required facilities have been installed and the number of organics who have relieved themselves in the hospital has Par contre, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de personnel d'entretien. You have provided everything organics need for a state of mild comfort. Oh, je t'ai pas entendu, bro, hein. Excuse-moi, mais je t'ai pas très bien entendu. Mur végétal. Et puis de la déco. Je crois que les gens sont pas contents, il manque de déco, hein. Décoration type ordinaire. Bah oui, mais on vient d'ouvrir, madame. Hein. Vous avez le bras cassé, on peut déjà vous soigner, c'est pas mal. Alors, décoration, non, vraiment, ce qui manque aux gens, c'est le déco. La déco. On mettra un petit peu de flower pour décorer. Pour l'instant, la déco, j'ai pas grand chose. Je suis concentré sur le jeu, je suis désolé. Bon, on peut mettre ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est que ces merdouilles? Qu'est-ce à dire que ces merdouilles? On peut les mettre en farce. On peut les mettre en face. Et puis ce machin, est-ce que... Je crois qu'on peut les mettre dans la continuité ici. Ça marche? Non, ça marche pas parce qu'il est sur deux cases. Aïe, 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 aïe. Il est sur deux cases. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est un réseau de races. Racinaire. Réseau racinaire. Bon. D'accord, donc on a réussi la quête, il me file de l'influence chez ces chers humains, c'est pas facile à dire. Yeah! Assistant de direction galactique. Medibot. Acheté à bas prix. Fais le signe de la main. It appears that Medi wishes to speak to you. Not to worry, I doubt it has much to say. Hello, new director! It's me, Medi. Une petite voix d'enfant. Jill says I'm a toaster, and that I might actually be useful if I was dropped in someone's bathtub. Yes, that comes slightly off out of context. Il semble défiant entre IA, tu sais. That Medi has no clue what's going on. Well, I guess so. Also, he'll keep saying I'm a fake boy, and being programmed to imitate humanity is a disgrace. I'm a fake boy, bro. Medi, you don't have any friends. You don't have any friends. Of course I do. Cause you're my friend. And so is this giant creature who's about to eat the station. Bugger me. Ah. What the world is going on? Hello there. Hello there. Très poli cette énorme baleine de l'espace qui est trop cool. Mais t'as quelque chose à vendre? Il est open. Putain, mais il est trop beau. Oh, la vache, regarde-moi ça. Il a même des morceaux de créatures. Putain, il est franchement superbe. Répondre à l'appel. Elle essaie de nous parler. Bien que ce soit aucune fréquence identifiable. Personne n'a meilleure idée. Ce serait peut-être préférable. Eh bien, de décrocher le téléphone. Le téléphone. Bah, il est en train de nous appeler. Génial. Ah, toi, tu viens pour les boutons. Baz is also fine. In the interests of brevity, I developed these Baz, bah, s'écrit là, Baz. Je t'appelle Baz. Mais t'as un parasite, là. C'est quoi cette merde? 4000 ans. Bah, rien que ça. Director. This is an opportunity we can't pass up. Okay, les colossaux sont connus comme des insaisissables. D'accord. First, you'll need to dispatch a ship from the shuttle bay to take a biopsy. That'll let us take a look. Biopsie. Oula, ça va faire mal, mon bro. Hein. La navette. Ah, il y a une navette, d'accord. Mais il est... Qui c'est qui est dans la navette? C'est un de nos médecins? D'accord, donc il faut lancer la navette en appuyant dessus. Puis la navette va aller voir pour l'examiner. J'imagine que c'est un docteur géant. J'adore le skin et le chara-design. Rien de moi, ça, il est trop beau. Il a même son dîner. Our shuttle will collect the sample from Baz via a gentle, non-invasive surgical translocation beam. Non-invasif. Oh, ils ont dû téléporter des échantillons. Don't ask me how I know. Ooh, that feels nice. A bit like scratching an old itch. Told ya. Attends, une démangeaison. Bon bah voilà. Non, j'adore le car design. Il cligne des yeux encore. Le jeu est très très beau, vraiment. Le jeu est très très beau. Ok. Alors, viens de rentrer avec l'échantillon.
Celui-ci va maintenant être transféré depuis la navette vers une adorable bonbonne. Échantillon diagnostic. Pour connaître les prochaines étapes, je sélectionne l'étage. Bonbonne sort d'un diagnostic le plus vite possible. Fort heureux, nous pouvons faire quoi ? D'accord. Alors ça, c'est la bonbonne de machin. Ah oui, t'as de la morse dedans. Appuie sur le bouton prioritaire. Qui est ici ? D'accord, bah je pense qu'il passera en prio dans les analyses. Peut-être donné un patient se trouve en tête de file d'attente. D'accord. J'adore le design. Regarde-moi ça, c'est vrai qu'il est adorable cette petite bonbonne. Il y a de la morphe de baleine stellaire dedans. Et puis, j'adore. Franchement, j'ai hâte de voir le reste. C'est tellement cartoon. Il est très très réussi ce jeu, vraiment. Moi, je surkiffe. Tu vois, c'est un... Mais du coup, tu vas être analysé par notre bon docteur Bigurs. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Bigus. Bigus qui... Qu'est-ce que tu fous ? Hello there ! Décoration typique. Il manque de déco. Qu'est-ce que c'est ? Bigus qui a plus envie de bosser. Nice place. Bon, c'est dommage qu'il n'y a que cette race d'extraterrestres. Je voyais ça un petit peu plus... je sais pas, Roswell peut-être, je sais pas. Plus de déco ici, docteur ! On va essayer, hein. On va essayer... Modifier la salle. Est-ce qu'on peut modifier la salle avec des choses un peu plus sympatoches ? Tu veux de la pub ? Tu veux un robot qui danse ? Allez, je te mets un robot qui danse. Il est trop marrant, celui-là. 4000 balles ? 4000 balles pour modifier ta salle ? OMG. Hello. Décoration type ordinaire. Bon, bah... D'accord, en fait, plus elle va voir la déco, ce serait bien de juste décaler ce truc-là au milieu. Ah, là, ça me fait du mal, le fait que ce soit pour au milieu. Ok, il est pris en charge. Il est pris en charge. Et du coup, que fais-tu ? Il a eu un traitement, il a eu une ordonnance, il a eu quelque chose. Alors là, il va m'appeler. Cette nouvelle protéine, d'accord, bah c'est merveilleux. Ah, les protéines, nous on aime ça. Cher spécial. Moi je vois quand même pas mal de trucs un peu dégueulasses. Attends. Le cocktail pharmaceutique assez puissant pour dissoudre. Comment ça ? Ah, attends. Bonbonne prioritaire optionnelle. Elle est où ? Bah ouais, mais elle est où ? Elle a disparu, la bonbonne. Ah, elles sont là, d'accord. Attends. Bon, on va faire en sorte que ce soit prioritaire. Donc, c'est des échantillons qui sont pleins de je sais pas quoi. En attente. Le laboratoire va sûrement faire un traitement. Nice place. Que veux-tu, docteur ? Alors, l'idéal, c'est que les docteurs soient... Normalement, on peut les former aussi, les docteurs, non ? Ah, d'accord, il vient d'être formé, là ? Je peux plus. Donc, toi aussi, tu peux être formé ? Je sais pas, j'ai vu... Ou alors, il a pris juste son salaire. I'm old. Pourquoi t'as peur ? Il a peur, j'adore. Ok. Il se fait bouffer par le robot géant. C'est génial. Bon, et il en manque pas un. Il est pris en charge ou... Oui, il est pris en charge. D'accord. Donc pareil, apparemment, c'est des échantillons de protéines pour dissoudre les pustules et le truc dégueulasse qu'il a sûrement sur la peau. Je me demande si ça va changer. Franchement, si le skin de la baleine, c'est-à-dire les pustules, partent, best game ever. Parce que arriver à intégrer ça... Ils auraient pu nous faire juste une maladie chronique ou un truc invisible. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Ah, il faut les écraser. Ah putain, excellent.
Barrez-vous. Dites, alors, vous faites le... Vous pourriez bosser un petit peu, s'il vous plaît, là. Mode par défaut. Donner la priorité au entretien de la salle. D'accord, donc on pourrait en mettre deux en entretien de la salle. Et puis mode par défaut, les autres en nettoyage, par exemple. Oui, c'est bon, ils m'ont déjà nettoyé le merdier. Ils m'ont déjà nettoyé le merdier. Alors, c'est juste les gens... qui trouve la déco pas terrible, mais j'ai pas beaucoup de déco pour l'instant. J'ai du pognon, mais j'ai pas de déco à leur refiler. On a rien d'autre. À part les flowers, ouais, tout est bloqué. Ah, oui, d'accord. Donc j'ai 20 piastres, parce que je crois que j'ai acheté ce truc-là qui coûtait 0. Mais apparemment, maintenant, j'en ai 20 de plus. Est-ce qu'on a des... Des décos. Oh putain, ouais, la vache, ils sont magnifiques. Hein. J'adore ce skin. Ils sont dégueulasses. Ils sont un petit peu métal. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Distributeur de boissons. On pourrait avoir un super distributeur de boissons, il serait content. Ou alors, il y a de la déco comme ça. Bon, c'est très joli, ça, non? Bon, c'est très joli, ça. Allez, on va buy this plant. Et ça, c'est les espèces qu'on a rencontrées. Apparemment, il n'y a que les Audes et les humains. Bon, jusque-là, je vous cache pas, moi, je suis complètement conquis par le jeu. Hein, vraiment. Je suis vraiment complètement conquis par le jeu. Donc ça, c'est nouveau. Jusque-là, sincèrement, je kiffe. Je kiffe. Oh la vache, le machin. Par contre, il faudrait que les gens ils puissent passer. Bon, bah ça va, c'est joli beau. Vous êtes contents? Vous aimez la déco? Arrêtez de me péter les burnes. Ça coûte cher, enfin, en fait, ça coûte cher. 250 pièces, d'accord. J'en ai... Oh, merde, regarde, j'ai pas mis la salle complètement sur le côté. Bon. Ok. Oui, mais non, mais j'ai plus de sous. Retourne dans le truc. Je sais pas, j'ai acheté tout de suite le gros truc en pensant que ce serait peut-être plus... voilà, plus mieux. Par exemple, ce truc-là, je peux pas l'avoir à l'extérieur. Vraiment, c'est seulement dans les salles. Ok. Ça va, docteur? Ça vous plaît? Ça vous plaît, ça, au niveau du... priorité. Ah, il pourrait soigner des trucs. D'accord, donc il pourrait soigner des trucs en prio. Qu'est-ce que c'est que cette... Non. Alors, on va annuler. Oui, annule tout. Alors, je sais pas ce que j'étais sur le point de faire... Ça a mis le docteur dehors. Il est où? Il est là. Ok. Ça a mis le docteur dehors. Pourquoi 3? Alors, eux, ils nettoient doucement et gentiment. C'est sale, ça, encore, les gars. Ok. Bon, bah, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour l'instant, les petits robots, ils passent. Par contre, j'avais vu, là, regarde. On a 3 étoiles. On pourrait avancer un petit peu le temps. Le temps, c'est de l'argent. L'adorable bonbonne. Bon. Alors du coup, toi tu vas là-dedans, d'accord. Ils sont déjà 3 sur 4. On va cliquer dessus, je pense. Are brimming with our new colossal regeneration fluids and waiting in your docking bay. Let's get them sent out. I can't wait to see if this works. If it doesn't, we may all be going to jail. Exciting. The shuttle is now ready for your dispatch order, director. Si ça marche, on pourrait peut-être tous aller en prison. Si ça marche pas, pardon. She's away. Keep an eye on the display, director. We'll see the... Génial, j'adore ce que je vous ai dit. Tu vois, ils se contentent pas de faire une petite maladie nulle. Non, ils font... Je sais pas, c'est ce genre de détails que moi j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Bon bah super. Votre médicament est excellent. Exactement ce qu'il me fallait, pardon. Démangeaison. À vous dire, je collecte des babioles, des objets. Ah bah j'ai besoin de déco. Patients morts. Ah bah on a des patients qui sont morts. Ah bah bravo, bien. Bien. Pas cool. Donc apparemment on a eu des trucs et puis nouveau plan. Génial. Nouveau plan, ça c'est cool. Par contre tu vends des trucs toi? You're welcome with pleasure, bro. We've just treated a higher dimensional talking cetacean. I'm going to hold my breath until my heart rate comes down and map out these new organs. Maybe I'll make one out to you. Okay. A delightful performance to watch, director.
The stabilizing solution Baz gave us has remarkable properties. It'll fully replenish the health of any patients you use it on. Rather handy if there are specific people you'd rather didn't die. Should you ever have more, ah d'accord, oh c'est cool. Oh, y a des lettres. Et qui sont gigantesques en plus. A, B, Z. On va mettre un open sur tous les machins, j'adore. Et puis alors, est-ce que, tu sais, l'idéal, ce serait de pouvoir l'éteindre. Ah, on peut changer la couleur. Bah non, on peut pas changer la couleur, c'est dommage. Tant si, peut-être. Mais bon, un B. Qu'est-ce que je fasse avec ton B? Un gros B. Bon bah écoute, c'est... Ça fait futuriste. Ça fait futuriste, on est content. Ouvrir le panneau de score d'hôpital. Il est où? Il est là. Oh la vache, ce truc-là qui fait flipper. Ok, on a encore des patients. Par contre, on a un patient qui est mort. Et ça, c'est pas très très cool, les gens. D'accord, traitement. Décoration type ordinaire. 13. D'accord, et puis il me file des décos au fur et à mesure. Zone décorée. D'accord, ok, bon, bah 22 traitements. Dans les 5 dernières minutes. Mais en fait, ce qu'il faudrait... Ah, ils sont en pause. Ils sont en pause. On peut les voir, nos médecins? Ils sont... Ah, ils sont tous en pause d'un coup. Waouh, génial, j'adore. Alors, est-ce qu'on peut les former? Pas du tout. Qualité. Bon, ça, on avait fait... Enfin... Dans un autre jeu, bien sûr. Salle de formation. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Matrice de formation. Brainwashing. Par contre, j'ai plus de place. Can I go? No. No. Let's get a training room built so we can help our staff become their best selves. Whether they like it or not. Par contre, j'ai plus de place là-dedans. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs. 10 000 balles. Bah, 10 000 balles, c'est bon, là, on achète. On achète. Attends, faut arrêter. Training room. Non, par contre, vous êtes vraiment pas content. C'est fou, ça. J'arrête pas de décorer. Déparation ordinaire. Bah oui, mais mon bro. Ok, donc ça, la salle va coûter 10 000. Faut-il qu'elle soit grande? Faut-il qu'elle soit grande? Oui, alors. Ok. No. Ok. Deux, ça suffit, non? Ouais, deux, ça suffit. Hein. Qu'est-ce qu'on peut. Oh, alors, évidemment, la déco. Comme d'habitude, on va essayer de maximiser. Est-ce qu'on peut prendre le dernier truc de déco? Ça, on va éviter. Peut-être une lumière, histoire de... Un tableau de grand maître, un tapis. On va mettre un grand tapis au milieu, c'est joli beau, des flowers. Est-ce qu'on peut mettre cette sculpture magnifique, ma chérie? Tout est magnifique, la sculpture. Ça, tu peux le mettre ailleurs, loin, très loin. Et puis, mets-moi ça comme ça. Alors, il y a des scores de décoration. Il y a des scores au niveau de ça. Cette plante compose comme recherche médicament. Médical, comment ça? Bon, bah écoute, apparemment. Voilà, ça c'est bien, c'est joli. 12 000 balles. Médecin. Attribué. Hein. Donc, je peux vous former globalement. Alors, je sais pas si c'est exactement ça. Salle de formation. Director, Heal, there's a little creature floating around in here. Should I zap it? That's a Solok. Ah, ça recommence. 3000 balles. Bah attends, du coup, j'ai 3500 balles. Sont attribués aux couleurs de propos. Hein. Donc, il suffit de les écraser. That's why they can open accounts of their own. The banking sector is a disaster. Ok,
Bon, bah, il suffit de les écraser. Est-ce qu'il est en train d'être formé, mon médecin? Elle arrive. Ah, il revient. Et il revient pour nous vendre des trucs. 30K, mazel. C'est quoi ça exactement? Ah, d'accord. Ah, je peux acheter un petit robot. Base, j'adore les lettres comme ça, vraiment. Ça, c'est gratuit? Bah, si c'est gratuit, c'est cool. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Tu parles beaucoup. Acheter un article et je le placerai dans votre inventaire. Prenez-le, j'en ai marre de le voir. Oh, ça, c'est gentil, ça. Donc, ça, c'est émetteur d'holo-médecin. Moins efficace qu'un vrai, mais ne réclame ni salaire ni nourriture. Bah, tu m'étonnes. Par contre, alors, on a quand même du pognon. On a quand même du pognon. Donc, ce truc-là, c'est. Permet à une salle d'accumuler des crédits aussi vite. Ah, bah, écoute, alors là, aussi vite. Alors, bien immobilier gagne en valeur. Allez. Ah, mais. Tu vois, attends. J'aimerais bien t'acheter autre chose. Bon, moi, trop tard. Trop tard. Il est parti. Tant pis. Ok, donc toi, t'es en train de te faire former, et ça, c'est cool. Et je crois que toi, attribué, t'es aussi attribué. T'as vu? Ça, c'est un bras. Ça, c'est un squelette. Et ça, c'est une cage thoracique. Et ben, tu dois bien les faire. Ça veut rien dire. Formation. Attribuer un... Formation, bro. Let's go. Ok, du coup... ouais, alors soit on peut en mettre un autre, soit... Putain, j'adore les patients qui sont assis, là, comme ça, regarde. C'est génial. Bon, vous aurez compris, le jeu, je le kiffe vraiment. J'adore les jeux de gestion de toute façon. Mais celui-là, il est vraiment très très cool. Du coup, il est où notre truc là? Qu'est-ce que j'ai acheté? C'était une salle. Modifier la salle, non. Où c'est que j'ai... Aucune idée. C'est pas dans les flowers. Ouais, non. Ah, mais j'avais bien acheté des trucs, non? Les toilettes. Tout en bas? Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Mais what I am brawling? What I am masturbating? C'est pas possible! Non mais j'y crois pas. Il est où le truc qui fait du pognon? Bon, j'ai formé mes médecins. Ah, il vient se faire former lui. Il y a que vous, docteur! Qu'est-ce qui se passe? On est trop intellectuel pour être formé? 340 balles. Ah bah ça coûte du pognon, disons, les médecins. Bon, c'est hyper rare et hyper précieux, les médecins. Moi, je leur sais quelque chose. J'ai du mal à en trouver un quand je suis malade là où j'habite. Donc, de toute façon. Ok, bah écoutez, alors on vient déjà faire 40 minutes de tâches de subsistance. C'est-à-dire... Ah d'accord, ils sont là, les améliorations. Donc, j'ai ce truc-là, qui apparemment est un faux médecin, mais qui, quand même, on va le placer juste à côté de la poubelle. Mais du coup, est-ce que tu peux traiter quelqu'un? Il va pas être content à cause de ça. Décoration. Oh, ça va pas lui plaire. D'accord, j'ai mis un faux médecin dedans. Ouais, mais non, mais ça dégage. J'en sais rien. Ouais, mais bon, c'est pas génial, hein. Donc ce truc-là, ça génère du pognon. Ah, d'accord. Ce truc-là génère du pognon dans les salles. Ok. Écoute, je préfère te dégager. Et je préfère attribuer un vrai médecin. Quand tu veux. Alors, hop là. Alors je pense qu'il est pas content. Mais non, mais il est où mon médecin? Attends, c'est là. Mais alors, t'es parti au traitement? Je comprends pas. Hop là, on te réattribue.
merde. Oui. Ah, parce que j'étais en train de... D'accord, je crois que j'étais en train de faire une bêtise. D'accord, parce que j'étais... Ok, je me suis un tout petit peu gouré dans les menus. Ok, on réattribue un vrai médecin. Peut-être faire une salle vite fait nulle avec un faux médecin, mais pas celle-ci. Pas celle-ci. Bah, là-dedans, à la rigueur. Faire une petite salle nulle, quoi, avec un... de diagnostic. On pourrait faire diagnostic. Qu'est-ce qui nous manque exactement? Est-ce qu'on saurait exactement ce qui nous manque? Et dans quoi est-ce qu'on est fort? Ça, ce serait marrant. Faudrait peut-être voir 3 étoiles. Ouais, mais bon, moi, on a du pognon quand même. Je préférerais un vrai médecin, encore. Ah, putain, et puis il y a cette salle qui me fait mal à mes yeux. Voilà, ça, on va faire ça comme ça. Et puis, on va placer, oh, je sais pas, un peu de déco, histoire de... Ah, on peut faire aussi des fenêtres. Est-ce que c'est des fenêtres qui voient directement vers l'extérieur? Genre le secret médical, tant pis, quoi. Oui. Genre le secret médical, tant pis. N'importe qui peut venir voir. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, quoi? Médical en surbrillance. Est-ce que j'ai viré mon médecin? D'accord. Oui, apparemment, le fait d'avoir modifié la salle... Ça a fait virer le médecin. Est-ce que toi, tu es en formation? Allez vous faire former, monsieur. Donc, toi aussi, on peut te former, je crois. Ok, médecin niveau rang 1. Comme interne, quand ils atteignent rang 2, vous pouvez attribuer une expertise. Here you can see the options for this doctor's expertise, which are based on the rooms they've worked in while in your hospital. D'accord, donc on peut salle de diagnostic, chambre. Bah écoute, on te laisse en laboratoire. Ah non, attends, si c'est ça, parce qu'elle était forte en truc elle. Donc on te laisse là dedans. Du coup t'es encore plus forte. Bah, génial. It'll help keep your patients alive. Et donc toi aussi. Bah écoute, expertise c'est bien. Hein. On te laisse en diagnostic. Là, génial. And with that, we completed our orientation protocol. Excellent work. Qu'est-ce que c'est exactement? Expertise interne. Oui, d'accord, on bouge pas. Allez, donne du pognon. Et il me file encore un autre docteur. Il me file encore ça et encore du truc qui rend la salle plus profitable. D'accord. Et toi, au niveau du... Expertise interne. Et va te faire former, toi. Toi, t'es pas été te faire former, je crois. Je crois qu'il veut pas. Allez, au boulot. J'ai vu les autres arriver pour la formation. Pas toi. Comment cela se fait? Il est déjà parti. Je crois qu'il est déjà parti en formation. Allez, zou. Si je comprends bien... Qui c'est? Qui êtes-vous? With which space creature am I speaking? Mr. Salazar, a very fine day to you, sir. What the fuck? Director's office. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des aliens sont attirés par les ondes positives et les patients heureux. Attrapez-les pour gagner des... de sympathie. Robot. Well, that's a daring hire. Listen, what... Ok, d'accord, toi tu... 50... Carfium, ok. Bon, il y a plein de petites merdouilles comme ça. Des aliens à pognon, des aliens à sympathies. Là, je vous ai pas écouté, monsieur. Oh putain, pourquoi on a perdu? On a perdu des... Ça, c'est pas possible. I'll send you some space money. Of course. We'll send over a contract and then we can... That won't be necessary. Good luck to you and goodbye. Well, that's... Ouais, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Ok, vraiment, vraiment, ça manque de déco. Hein. Ça manque vraiment, vraiment de décoration. Bon, je pense quand même le fait que ça manque de déco, c'est un peu normal au début. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il m'avait mis Oui, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est des faux docteurs. Ça, c'est pour apporter du pognon. Il suffit de mettre dans une salle.
Ça, c'est cool. Après, la déco, bah, toujours la même chose, quoi. Hein. Bon, là, j'ai un mur qui est tout gris, qui est tout pâle. Essayons de mettre des trucs dans le genre... C'est ma plus belle déco, je vais la mettre partout. Qu'est-ce que t'as d'autre? ABZ, ABZ, quoi. Les patients de Saladon sont maintenant arrivés et sont dans un état wretched. We'll be lucky if most of them don't drop. Voilà, c'est bon, vous êtes content? Et puis il y a ce truc là aussi qui ressemble à rien, mais. Bonbonne bio. Eh ben alors, c'est très décoratif, hein. Bon, je vous écoute pas, je suis désolé, je vous écoute pas. Alors, soignez les patients en situation d'urgence. Il y a une urgence en fait, d'accord. On va faire en sorte de les mettre en prio quand même. Pardon madame que la déco ne vous plaise pas, mais il me semble quand même que vous êtes en situation d'urgence. Ok. Donc à partir de là, ce qui serait bien c'est d'avoir une autre salle avec un faux médecin. On pourrait même en faire deux. Ça irait plus vite. C'est vrai que si on faisait ça par exemple, hop là, tu arrêtes. On fait vite fait une salle de diagnostic. Est-ce qu'on ferait pas une salle de diagnostic et une salle comme ça avec un faux médecin? Il serait derrière. Possible ou pas? Essayons, écoute, une salle de diagnostic. Petite. Ouais, petite. Une petite porte. Ici. Petit écran. Petit, tout est petit. Tout est petit. Hop là, un petit hologramme. Tout est petit, toujours petit. Et puis un petit peu de déco, tiens. Mets un poster. Ça sera pas terrible, mais je pense que le médecin, là, il se plaindra pas, lui. Ensuite, une chambre ossification. Non, parce que, ouais. Pas du tout. Annule. Un laboratoire. Donc, du coup, la porte, juste là. Ensuite, il y a ce truc-là. Et il y a ce truc-là. Et ça confirme, certes, mais une petite déco. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire quand c'est pas des vrais médecins. Hein. Je sais pas en fait. Vraiment pas du tout. Allez, peut-être pour les patients, j'ai envie de dire, mais aucune idée. Non. Annule le. Allez, confirmation. Et ensuite, je peux mettre un faux médecin. Alors attendez. Ok, donc là on a deux faux médecins, ça sera pas terrible, mais mieux que rien. Alors est-ce que si vous êtes vraiment en situation d'urgence, vous allez vous fier à ces hologrammes? Parce que si en plus ils sont gratuits, inventaire. Alors ça c'est quoi exactement? Utiliser. Ouais. L'utiliser sur les gens qui sont malades. D'accord, je sais pas si ça leur fait du bien, mais peut-être ça les empêche de mourir. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser aussi simplement. Soigner les gens. D'accord, alors il y a des gens en priorité quand même, monsieur. Oui, ils soignent, mais vous avez bien une priorité quand même. Quand je dis que vous êtes prioritaire, c'est que vous êtes normalement prioritaire. Bon, ils vont peut-être se faire soigner par un vrai médecin en priorité. Et puis comme ça, les pécores moyens, ils vont juste aller se faire soigner là, par exemple. Oh, c'est pas mal, regarde. Ouais, fais-toi soigner par ça. Par l'hologramme nul. Et on laisse les autres attendre quand même, c'est pas génial. Donc ils sont dégueulasses. Ils ont, voilà. Ils sont morveux, ils sont dégueulasses. D'accord, donc lui, il se fait soigner ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un truc, là? Dire que t'es occupé, c'est quoi cette histoire? Ah oui, alors lui, apparemment, il a reçu un skin. Yeah, tu seras fort en pomme, bien sûr. Mais fort en pomme. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, t'es pas content parce que la déco ne te plaît pas. Bon, t'es sur le point de mourir, mais la déco, voilà, quoi. C'est important. Est-ce que tu prends en charge quelqu'un? Pas du tout.
quand je vous dis qu'il y a des, il y a des urgences, voilà, on va accélérer un petit peu. Alors je comprends pas qu'on ait seulement 2 étoiles et que ça descende comme ça. On a du pognon, mais quand même, voilà, ça descend. Est-ce qu'on devrait pas recruter un autre médecin? On devrait refaire une salle ici aussi. Une salle ici avec, avec une chambre de machin trifugation. Mais le truc, c'est que bon, il n'y a pas de... Annule, on va le mettre sur le côté ici. Toi, tu donnes. Laboratoire, non, ossification. Ossification, écoute, on va faire ça comme ça, parce que je crois qu'il y a quand même... c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? D'accord, il faut que la salle soit bleue. Sinon, ce n'est pas bon. D'accord, on va la mettre là. Et puis évidemment, ce truc-là qui est énorme. C'est vrai que moi je suis un peu en mode mince, les gens sont en train de mourir, il faut vite les aider, mais les gens ils sont en mode ah, vous avez pas de déco dans votre hôpital, je vais vous attribuer une mauvaise note et vos étoiles vont descendre. Monsieur, vous êtes sur le point de mourir. Oui, mais vous avez pas de déco. Monsieur, vous avez les tripes à l'air. Monsieur, enfin. Oui, mais vous avez pas de décoration. Tu sais, le truc, c'est un peu absurde. Ils ont pas de décoration dans cet hôpital. Écoute, on va recruter quelqu'un. Et puis quelqu'un qui est fort en pomme, là. Quelqu'un qui est fort. Allez, toi, t'as l'air d'être un champion. Allez. Ok. Alors monsieur n'a pas de quoi s'asseoir. Bon, là il y a de quoi patienter. Est-ce qu'on refait une petite salle d'attente ici aussi? On refait une petite salle d'attente ici aussi, je pense. Et on n'a pas de nouveaux éléments, de décor, de... Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais, écoute. Faire ça comme ça. Comme ça, on va essayer de se centrer un petit peu. Ensuite, faire clip. J'aimais bien ce que j'ai fait de l'autre côté, donc pourquoi pas. Et ensuite, des flowers au milieu. C'était sympa. C'était sympa. Il y a plein de flowers qui nous... Ah bah, on peut même mettre ceux-là. Bah, alors, quand tu veux. J'ai mal mis l'autre, en fait. Et puis, là, on va le mettre la même. Et puis, voilà. Ok, donc vous avez de quoi vous asseoir. Certes, avez-vous de quoi vous amuser? Genre, là, c'est... Et regardez! C'est ouvert! Voilà. Pourquoi tu fais ça? J'en sais rien du tout. Bro, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Il n'y a pas non plus énormément de merdouille. Si je te mettais des tapis un peu partout, genre en mode cosy. Mercredi. Est-ce que je peux les superposer, les tapis? Pas du tout. Bon, bah ça superpose pas beaucoup. Mais voilà. Oh, il manque un tout petit morceau là. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Et puis là, il y a un carré. Je peux vous mettre un petit tapis sous le cucu. Voilà, on sait jamais. Vous avez un petit peu les... Bon, il est bien mieux ce tapis là, tu vois. Regarde, il est bien mieux. Bon, je suis absorbé par le jeu. Le temps file. On va s'arrêter. On va juste avancer un petit peu. Ça m'embête de pas gagner. Gratitude, comme exige la loi. Réussir à sauver l'un de nos travailleurs. Alors oui, parce qu'en fait, c'est lui qui nous a envoyé ces gens-là, qui apparemment sont pas. Ok, c'est toujours pas bon, ils sont toujours pas pris en prio, voilà, c'est toujours pas bon pour moi.
Alors moi, c'est toujours pas bon. On met des toilettes dans le coin, là, ici. Oh, moi, je vous regarde. On a juste de quoi faire. Bon, on va s'arrêter là, chers amis, pour cet épisode absolument délicieux. Oh, ça m'embête de m'arrêter. Des toilettes. Et puis ici, de quoi bouffer. Et puis au milieu, des flowers. Au milieu des toilettes. Voilà. C'est chaud, Lipo. C'est Sean. Quelques affiches, peut-être. Les gens qui sont pas contents de la déco, c'est terrible. Vraiment, c'est décoration Hôpital Simulator. Et puis il y a ces trucs-là, évidemment. Ce machin qui bon, bah pourquoi pas, quoi. Je te le mets là, hein, histoire de... Et voilà. Bon, alors, monsieur est en train de mourir, apparemment. Tu vois bien, il a des soucis de cœur. Non, mais c'est sérieux, parce que ça va pas du tout. Pourquoi il a un cœur qui est en train de le lâcher. Rest in peace to that plucky fellow. I pretend to be angry about their... Bien semblant d'être révolté. But I think we all knew it was on the curse. Mais qui c'est qui est mort? Bah oui, mais on l'avait, oui. Comment je fais pour les mettre plus en prio? L'autre il est mort, moi je veux bien. Comment je fais? Je peux vous... Attends, donc du coup toi tu... Est-ce que je peux te mettre en prio ici? Pas du tout. Apparemment il est du monde parce que... Informé qu'il serait prêt à travailler dans les heures. Sick as a dog. Tu veux bien prendre les gens en prio, je comprends pas du tout. Que je mets une prio sur les gens et ça marche quand même pas. C'est fou quand même. Et lui il est toujours pas content parce que... Décoration ordinaire. Oui parce que j'ai refait sa salle. Alors c'est pas terrible. Oui mais bro, j'ai des gens qui sont en train de mourir. Est-ce que... Mettez un 1 quoi. Enfin il est pris en charge. Bon, je crois que c'est le dernier apparemment. Il y en a un qui est mort, quand même. Gestion des maladies. J'imagine qu'on a trouvé une autre maladie. Donc apparemment on a 7 maladies différentes. Dis-moi que t'es guéri après ça. Je crois que ça va mieux, hein. Ouais, je crois qu'il est plus... Ouais, bouffe, hein. Et puis après, c'est laboratoire dermatologique. Enfin, je crois qu'il est guéri, là, c'est bon. Où tu vas, bro? Moi, je crois qu'il est... Apparemment, il serait guéri. Après, il se promène, hein. Ah, il va dans l'ambulance. Je suis pas sûr. Va dans l'ambulance. Et ben voilà. Ok. Bon, moi je crois que c'est fait, hein. Pas mal. Non, mais je comprends pas pourquoi l'autre il est mort. C'est fou quand même. Bon, j'adore le jeu. Ok. Super. Et ben on a plus ou moins réussi. Je crois qu'on a un mort, c'est pas génial non plus. Quelle aventure, directeur. Venez jusqu'à la glande pinale. I'm going to dive right into genome mapping Baz. His cells keep phasing through the collector, so it might take a bit of tinkering. Heal will apprise you of our next job. But for now, thanks for making this real. You're bringing our dream to life. Now, okay. Let's change the galaxy. Excellent work, director. Ms. Orion seems thrilled. Mais je crois que c'est fini. We've already booked another contract. A music festival in Earth space, if you can believe it. What's a music festival, Heal? In this case, Medi, I dread to imagine. Earmuff mode on standby. I'd rather your circuits weren't blown out. Ok, bro. Je pense que la map elle est finie. On sera plus sur Terre. On va au niveau suivant. Je pense qu'on va directement au niveau suivant. Bah voilà, parfait, on peut se laisser là-dessus. Chers amis, je surkiffe le jeu. Et on a une autre base. Et là, c'est quoi? C'est autre chose encore. Évolution de l'hôpital. J'ai fait 3 étoiles quand même. Mais vraiment, les gens se plaignent. Et j'ai beau avoir des médecins compétents, ils font quand même passer les gens qui ne sont pas en priorité. C'est fou ça, il me faudrait un genre de service d'urgence
Enfin bon, bref, chers amis, je vous remercie infiniment de me regarder cet épisode. J'espère qu'il vous aura diverti. J'en ferai d'autres. J'adore le jeu. Vraiment, le jeu, je kiffe. Les voix sont très drôles, ça parle un peu beaucoup. C'est pas génial en vidéo, mais c'est drôle, c'est pertinent. Le design est vraiment génial, donc c'est que du bonheur. Donc gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine.